Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 26 janvier 2022. Au sommaire aujourd'hui, qu'on l'appelle pouvoir d'achat, pouvoir de vivre, encore autrement, la question en tout cas du revenu des ménages est un sujet majeur, trop peu présent à notre goût dans les débats de la présidentielle, alors que évidemment la hausse des prix est un sujet de préoccupation quotidienne pour des millions de Français. Débat ce soir avec nos trois invités, elles sont porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot et de Valérie Pécresse. À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart, c'est parti. Il s'appelle Franck, il est père de famille sans emploi à Évreux. Sa femme travaille à l'usine et touche le SMIC. Ils ont 4 enfants et on les avait rencontrés en novembre. Tous les ans, ça augmente et puis bien souvent, on se demande si un jour ça va s'arrêter parce qu'on va finir par plus pouvoir payer nos factures. Et puis, ça vous inquiète ? Bah, un petit peu quand même, oui. Si on regarde les salaires, eux, ils n'ont pas augmenté. Constat de millions de Français, tout augmente, notamment l'énergie, mais les salaires, eux, n'augmentent pas. Question posée aux candidats à la présidentielle, quelles mesures d'urgence, comment augmenter le net sur la fiche de paie? Faut-il un revenu universel? Faut-il réduire le temps de travail? Des sujets dont on ne parle pas assez et on va en parler donc ce soir avec nos trois invités. Je vous les présente. Aurélie Trouvé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne porte-parole d'Attaque, vous présidez le Parlement de l'Union populaire autour de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, où on retrouve avec vous des activistes du climat, le maire de Trappes, Ali Rabeh, ou l'écrivaine Annie Ernaux. Marine Tondelier, bonsoir. Vous êtes conseillère régionale écologiste des Hauts-de-France, élue municipale d'opposition à Hénin-Beaumont, ville du Pas-de-Calais, dirigée par le Front National, et vous êtes porte-parole du candidat écologiste Yannick Jadot. Et vous, Alexandra Dublanche, bonsoir. Vous êtes maire adjointe Les Républicains de Sartrouville dans les Yvelines, vice-présidente de la région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, dont vous coordonnez, je crois, la cellule Riposte. Vous allez donc riposter pour elle ce soir. En 2018, les Gilets jaunes avaient un message « Fin du monde, fin du mois ». Près de 3 ans plus tard, les fins de mois restent aussi difficiles pour des millions de Français. On le voit en ce moment. Le gouvernement récemment a annoncé un chèque énergie de 100 € qui est déjà versé à une vingtaine de millions de Français. Il vient d'annoncer une autre mesure hier, la hausse du barème kilométrique de 10% qui va concerner 2,5 millions de Français. Faut-il des mesures d'urgence supplémentaires contre la hausse des prix? Et si oui, lesquelles auraient-les trouvées? Déjà, vous l'avez dit, un chèque énergie de 100 € qui a été vite bouffé par la hausse des prix. Ça concerne que 2,5 millions de personnes, l'histoire du barème kilométrique, donc ça ne répond absolument pas au problème. Et il y a, en fait, depuis 1 an, une baisse du pouvoir d'achat, que ce soit pour les salariés du privé ou les salariés du public. Donc la mesure, la première mesure d'urgence, elle est de rehausser ceux qui sont le plus dans la panade, à savoir déjà les smicards. Et smicards, donc c'est rehausser le SMIC à 1 400 € net. Aujourd'hui, il est à 1 260. Je mets au défi quiconque de vivre correctement, dignement, avec 1 260 € net. Donc l'augmenter à 1 400 €, ce qui est d'autant plus logique et indispensable dans la période actuelle que le taux de marge des entreprises est historiquement élevé. Donc il y a les moyens pour les entreprises et par ailleurs ça renversera une tendance depuis 30 ou 40 ans qui est que en fait il y a une part des richesses de plus en plus importante, la part des richesses créées dans les entreprises, la part des richesses versées vers les dividendes, les profits des capitaux est de plus en plus importante et celle vers les salaires et l'investissement de moins en moins importante. Donc une mesure de justice et de renversement de tendance, c'est bien de rehausser le SMIC à 1 400, ce qui par ailleurs permettra de rehausser l'ensemble des salaires, même si évidemment, il faut passer aussi par des accords de branche et par le fait de redonner du pouvoir aux salariés dans les entreprises. Alors, puisque vous partez par là, on reviendra après sur les mesures d'urgence, mais Marine Tondelier, je rappelle juste quand même que le SMIC, il est actuellement à 1 269 € net à temps plein, il concerne 2 millions de salariés, soit 12% des salariés du privé, donc ça n'épuise pas le sujet non plus de l'ensemble des Français, hein. Donc on reviendra aussi après à d'autres sujets. Marine Tondelier, Yannick Jadot, lui, propose finalement quelque chose d'assez similaire. Lui aussi propose d'augmenter le SMIC autour de 1 400 € net dès le début. Avec Yannick Jadot, président de la République, il y aurait dès l'été une augmentation de 125 € net du SMIC, dès l'été 2022, pour le porter, après plusieurs augmentations successives, à 1 500 € en fin de mandat. Donc ça, c'est le programme précis sur le SMIC. Après, il faut se dire qu'en France, on a 9,3 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de grande pauvreté, qui est à peu près à 913 € en France, le seuil de grande pauvreté. Et donc, parmi ces 9,3 millions de Français, il y en a 1,74 millions qui travaillent. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le travail en France ne protège pas de la grande pauvreté, mais on a aussi tous les autres. Et c'est pour ça que les mesures sur les salaires ne suffiront pas à régler le problème de la précarité en France. Et donc, bien sûr, il faut agir sur les prix aussi, les prix de l'électricité, le fait de donner des premiers mètres cubes d'eau, des premiers kilowattheures d'électricité gratuits pour pour tout le monde et d'avoir une tarification sociale ensuite pour la consommation au fur et à mesure qu'elle augmente en fonction de vos revenus et de votre consommation. Mais il faut aussi s'occuper des gens qui ne travaillent pas, quel que soit leur âge, puisque vous savez qu'aujourd'hui, avant 25 ans, c'est quand même particulièrement compliqué en France. Et donc Yannick Jadot mettra aussi en place ce qu'il appelle le revenu citoyen, qui sera fixé pile au seuil de grande pauvreté, c'est-à-dire 913 € par mois. Et donc, tous les Français de plus de 18 ans qui sont autonomes fiscalement, mais le calcul sera quand même vite fait, je pense, pour ceux qui dépendent du foyer fiscal de leurs parents, toucheront ce revenu citoyen. Il sera aussi automatique, c'est-à-dire c'est plus comme aujourd'hui où il y a le RSA qui existe, mais déjà c'est à partir de 25 ans, et puis il faut remplir des tas de dossiers, c'est compliqué, il y a entre 20 et 25% des gens qui n'y ont pas accès. Avec le revenu citoyen proposé par les écologistes, ce sera une aide automatique, ce qui soulagera le parcours du combattant administratif des personnes qui ont besoin de cette aide, mais ce qui soulagera aussi la CAF et toutes les personnes qui perdent beaucoup d'énergie aussi au quotidien à gérer ces dossiers dans des conditions assez précaires. Donc on pense aussi aux salariés du social et de l'assistance sociale en France. Donc on y reviendra, hein, parce que cette question d'un revenu universel, d'une certaine façon, même si c'est pas exactement ça pour Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi des propositions. Mais vous, Alexandra Dublanche, la hausse du SMIC, c'est clairement pas ce que propose Valérie Pécresse. Alors nous, on propose une hausse du salaire de 10%. Je vais y revenir. J'aurais dû partir du constat par rapport à ce qu'on voit sur votre reportage. On entend beaucoup de triomphalisme du gouvernement en ce moment sur « on est le gouvernement du pouvoir d'achat ». On voit bien que dans les faits, c'est absolument pas le cas. La facture d'énergie, elle a augmenté de 360 € depuis 2019. Les dépenses contraintes des Français, c'est-à-dire le loyer, l'énergie, justement, en fait, elle est de plus en plus importante. Je crois que c'est 35% aujourd'hui. Et donc, du coup, ils sont serrés par les deux bouts et on entend, et encore plus dans les territoires ruraux où, par exemple, on est obligé de prendre sa voiture et donc on peut parfois dépenser pour un ménage presque un SMIC rien que pour l'essence. Donc voilà, ce triomphalisme, il est assez pesant parce que on se rend compte que c'est pas du tout ce que vivent les Français. Après, nous, c'est vrai que les solutions qu'on apporte, on se dit qu'il faut rapprocher ce net du brut en termes de salaire. Faut que, et nous, ça passe par le travail. Donc, Valérie Pécresse, elle propose une hausse de 10% du salaire net jusqu'à 2,2 SMIC, donc à peu près 2 800 € net, pour que vraiment le travail paie plus. Aujourd'hui, par rapport aux Allemands, je crois que le salaire moyen est 20% en dessous du salaire allemand. On est dans la moyenne européenne, on est vraiment en dessous. Et donc, ce salaire moyen, il faut qu'il soit plus élevé. Et donc, ça, comment on le fait? Parce que tout est là la question, parce que, bon, on va débattre sur les propositions. Moi, je me pose toujours la question du financement. Quand on est à 116% de dette du PIB, enfin de dette, moi, ça m'inquiète beaucoup pour nos enfants. Dépenser trop. Et ce qu'on va, en fait, c'est tout. Enfin, on peut dépenser, mais comment on finance? Et une dépense de fonctionnement comme ça régulière, sans montrer concrètement comment on la finance, alors qu'on est déjà un des pays le plus endettés d'Europe, je vois pas comment c'est possible. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On a des solutions. Mais on va en parler. Alors juste pour dire nous, du coup, comment on finance, parce que je vais pas dire que les autres savent pas, et voilà, et moi ne pas le dire. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On augmente dès cet été de 3% les salaires en prenant à charge, nous, les cotisations retraite, donc l'État, et ensuite on ouvre une concertation avec les entreprises qui, je pense, sont prêtes à faire des efforts pour arriver jusqu'à ces 10%. Et que, forcément, il faut négocier pour y arriver. Donc, on parle aussi libéralisation du temps de travail, on parle débureaucratisation, on simplifie toutes les procédures qui, aujourd'hui, sont un coût pour les entreprises, etc. La logique que porte Valérie Pécresse dans cette campagne, c'est un peu la même chose que Nicolas Sarkozy en 2007, travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire que là, en fait, cette mesure de Valérie Pécresse dont vous parlez sur le pouvoir d'achat, il s'agit de baisser les cotisations salariales. Jean-Luc Mélenchon, alors Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il vous dit que ça coûte trop cher. Bon, plutôt vision en effet conservatrice des choses, contrairement à ce qu'ils n'ont pas fait. Mais Jean-Luc Mélenchon, par exemple, vous dit, bah oui, mais attendez, ce sont des milliards en moins pour le budget de l'État. Non, parce que tout ce qui est avancé, et je pense que c'est ça le sérieux de Valérie Pécresse et la crédibilité, tout ce qui est avancé, c'est en contrepartie de réformes importantes. Je ne sais pas ce que pensent mesdames sur la réforme des retraites. Nous, on se dit qu'on est obligé de faire cette réforme des retraites pour augmenter l'âge de départ à la retraite, pour justement pouvoir avoir des moyens d'action sur d'autres mesures. La décentralisation, il faut arrêter que tout le monde... Nous, on se dit par exemple qu'il y a un quart des Français qui meurent aujourd'hui avant l'âge de leur retraite. Et oui, mais ça n'empêche pas... Non, mais bien sûr, il faut prendre en compte la pénibilité. la pénibilité, il faut prendre en compte, évidemment. Non, mais pas que la pénibilité. Le fait qu'à force de repousser l'âge de la retraite, il y a tellement d'inégalités aussi d'espérance de vie. Tous les pays au monde sont en train de passer autour de nous à 65 ans. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Un quart des Français cotisent pour une retraite. Mais il faut avoir des mesures spécifiques pour les Français qui ont commencé à travailler très tôt. Et là, je vous rejoins. Et ça, on le prend en compte. Mais ça n'empêche pas de. Si tous les pays le font, c'est que c'est pas complètement absurde. Et deuxièmement, réforme de l'État. Les doublons, madame est conseillère régionale, on voit bien que tout est fait en doublons, État, région, département, et ça, c'est le discours de Valérie Pécresse sur la bureaucratie. On va revenir sur peut-être la philosophie autour de cette question de l'augmentation, en gros, du pouvoir de vivre des gens. La logique là, qui est celle d'Alexandra Dublanche et de Valérie Pécresse, c'est donc, finalement, je l'ai dit, le retour à Nicolas Sarkozy d'une certaine façon, défiscaliser, décharger toutes les heures supplémentaires, convertir ces RTT en salaire. On a là deux visions quand même assez différentes, finalement, de comment augmenter la capacité pour les gens d'avoir de l'argent en plus à la fin du mois. Oui, mais le problème, c'est l'incantation, parce que vous dites... Pourquoi l'incantation ? Non, mais vous dites, on va s'attaquer, par exemple, aux dépenses contraintes. La première des dépenses contraintes qui a explosé, c'est le logement. Qu'est-ce que vous proposez ? Vous proposez de diminuer les logements sociaux, avec le programme de Valérie Pécresse. Donc nous, au contraire, on propose d'augmenter massivement les logements sociaux, de plafonner les loyers, de réquisitionner les logements vides. Et à un moment donné, il faut agir, simplement. Donc face aux dépenses contraintes... Excusez-moi, je peux vous dire qu'en Île-de-France, on voit les loyers flamber et que rien n'est fait face à ça. Ensuite, sur les salaires, effectivement, vous l'avez dit, ça ne concerne pas seulement les SMICards, mais ça a quand même un effet hein, quand on augmente le SMIC. Mais donc, pour pas être dans l'incantation, les fonctionnaires. Bah, les fonctionnaires, il se trouve que le salaire réel des fonctionnaires n'a fait que diminuer depuis 10 ans, d'ailleurs, sous l'ensemble des gouvernements. Donc, nous sommes pour dégeler ce fameux point d'indice. Je suis fonctionnaire, je suis par ailleurs enseignante-chercheuse en économie, donc je subis. Même proposition à côté. Je subis cette ce gel du point d'indice qui fait que nous avons perdu en salaire réel. Et ensuite, il faut faire aussi en sorte que les salariés aient plus de pouvoir dans les entreprises. Donc il faut remettre en cause les dernières lois travail qui enlèvent au contraire du pouvoir aux salariés. Et puis nous, on demande à ce que les salariés aient au moins un tiers, et on peut faire une grande loi nationale là-dessus, un tiers des sièges dans les conseils d'administration, mais aussi qu'ils aient par exemple un droit de veto à travers les comités d'entreprise, etc. Donc qu'ils puissent agir sur la façon dont on distribue la richesse des entreprises. Et puis je finirai sur une dernière chose sur les salaires, c'est qu'il faut que tout le monde puisse avoir un emploi. Le problème, c'est qu'on a encore 8% de chômage, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, tout va bien, etc. Pas du tout. Le taux de chômage est encore plus élevé qu'à l'avant-crise. Et donc, enfin, le nombre de chômeurs, hein, toutes catégories confondues. Donc nous proposons la garantie d'emploi pour le permettre. D'abord, c'est de libérer de l'emploi. Comment on libère de l'emploi ? Eh bien, justement avec la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans permet de libérer de l'emploi, notamment pour les plus jeunes. Deuxièmement, eh bien, le partage du temps de travail. Voilà, nous voulons une application claire, stricte. On a bien vu l'efficacité des 35 heures. Et les 35 heures coûtent 11 à 13 milliards d'euros. Non, au contraire, ça a permis de libérer les emplois, mais ça, malheureusement, c'est remis en cause par tous les économistes. Excusez-moi, je ne vous ai pas coupé. Ça s'est fait justement en même temps en précarisant le travail et en intensifiant le travail. Donc il faut en même temps renforcer le droit du travail. Et puis dernière chose, créer des centaines de milliers d'emplois grâce à la transition écologique et aux services publics. Vous proposez, ça, c'est pas de l'incantation. Vous proposez de diminuer drastiquement les dépenses publiques. Or, diminuer les dépenses publiques, c'est augmenter les inégalités. Tout le monde en économie. Ouais. Quand on augmente les dépenses publiques, on diminue les inégalités parce qu'il y a des transferts qui sont faits à travers la santé, l'éducation, etc. Et les services publics, c'est la clé de la diminution des inégalités et de l'augmentation du niveau de vie des plus précaires, ce que vous proposez justement de détruire. Pas de caricature, s'il vous plaît. Je vous laisse répondre après, mais un débat serein. J'ai une question pour Marine Tondelier. Comment Jean-Luc Mélenchon, si j'en reviens un peu à la situation présente, c'est-à-dire qu'un président, un nouveau président, une nouvelle présidente arrive à l'Élysée. Jean-Luc Mélenchon, depuis quelques temps, dit qu'il faut bloquer les prix de première nécessité. On peut le faire. Il dit un article du Code du commerce qui le rend possible. Comment on fait ça ? Ça a déjà été fait, dit-il. Et donc, on prend tout simplement une partie des profits des grands fournisseurs d'énergie, par exemple. C'est pas exactement la proposition de Yannick Jadot. Il dit pas ça. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon dit souvent « Je suis un peu le seul à dire ça, à bloquer les prix ». Est-ce qu'il faut aller... Pourquoi Yannick Jadot ne va pas jusqu'à cette idée de bloquer les prix, mesure d'urgence finalement ? Alors, sur les mesures d'urgence, notamment sur le carburant, il y a ce chèque de 100 € qui est mis en place par le gouvernement. Nous, on propose que 15 millions de Français supplémentaires touchent ce chèque de 100 €. D'élargir ce chèque. Hein. Mais aussi que les personnes qui le touchent actuellement, donc qui sont les plus précaires, touchent un chèque de 400 € et non de 100 €. Je suis d'accord avec ma collègue sur l'indemnité kilométrique, qui est quand même un truc qui concerne déjà, c'est que pour ceux qui vont en voiture, et qui concerne ceux qui payent les impôts, donc qui est complètement injuste et inefficace. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce débat sur le pouvoir d'achat... C'est ce que vous avez proposé, Valérie Pécresse, d'ailleurs, à un moment, puis le gouvernement, du coup, l'a proposé avant. Mais ce qui est intéressant dans ce débat aussi sur le pouvoir d'achat, c'est d'interroger la notion même de pouvoir d'achat. On sait depuis 2007 que c'est devenu le premier sujet de préoccupation des Français, et c'est normal, mais moi, dans le mot pouvoir d'achat, il y a deux mots qui m'interrogent. Il y a le mot pouvoir, déjà, est-ce qu'on peut encore parler de pouvoir d'achat quand 8 millions de Français dépendent de l'aide alimentaire? On est plutôt dans la dépendance aujourd'hui que dans le pouvoir. Et puis le mot achat, alors évidemment, ça nous renvoie à la société de consommation et aussi à des gens qui sont payés très très bien pour nous donner envie de consommer des choses dont on n'a pas besoin et qui sont en plus mauvaises pour la planète et celles et ceux qui l'habitent, humains, animaux, vivants, quoi. Et notamment, voilà, des choses comme les SUV, etc. On se rend compte que certaines personnes dépensent beaucoup d'argent pour en avoir, d'autres sont frustrées de ne pas y avoir accès, et finalement, ça sert à quoi? À pas grand-chose. C'est une logique consumériste, c'est ça, cette idée de pouvoir d'achat. Ça pollue l'air que nous respirons, et vraiment, c'est le genre de... Je ne comprends même pas qu'on ait encore le droit de faire de la pub pour ce genre de produit, par exemple. Ça me paraît assez choquant. Mais plus que le pouvoir d'achat, nous, ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir de vivre. Alors, bien sûr qu'il y a des minimums vitaux à avoir pour tout le monde. Je vous parlais des tarifications sociales de l'énergie avec des premiers mètres cubes d'eau, des premiers kilowattheures gratuits pour tout le monde, du fait d'aider les gens à isoler leur logement, parce qu'aujourd'hui, la précarité énergétique est une réalité pour plus de 5 millions de ménages en France. Yannick Jadot parle d'un 13e mois écolo. Exactement. Du pouvoir de vivre. C'est ce que j'allais vous expliquer, c'est que le pouvoir de vivre, déjà, par exemple, c'est pas juste l'argent, c'est aussi que si vous avez de l'argent mais que vous mourrez avant l'âge de votre retraite, que votre environnement est pollué, que la société dans laquelle vous vivez est complètement pas bienveillante et pas apaisée, etc., on vit pas forcément mieux, l'argent ne suffit pas. Mais... Sur les mesures dont vous parliez, nous, on voit qu'en mettant en place la transition énergétique, par exemple en isolant les passoires thermiques en France, en aidant les gens à se sevrer de la voiture, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des années de politique publique qui nous ont rendus complètement addicts à l'énergie. On ne peut pas, pour certains, pas aller travailler parce que les TER, dans les Hauts-de-France notamment, c'est une région d'un ami de Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, sur les TER, 3 fois par semaine, vous avez un problème. Donc vous finissez parce que vous ratez la crèche de votre enfant, etc., par plus prendre le train. Yannick Jadot propose notamment 1 000 € par an pour prendre en charge les transports des personnes qui feront autre chose que de la voiture tout seul, donc de l'autopartage, du vélo, l'abonnement de transport, ce qui n'est pas pris en charge par l'employeur. Donc vous voyez, toutes ces mesures qui sont des mesures écologistes, vraiment qui sont bonnes pour l'humain et bonnes pour la planète, mais qui vous libèrent en fait du pouvoir d'achat. Par exemple, quand on vous isolez votre maison, vous gagnez jusque 700-800 € par an de facture d'électricité. Et donc quand on prend mise côte à côte 0% sur la TVA aussi pour les produits bio par exemple, ça vous libère en fait du pouvoir de vivre et ça vous donne l'équivalent en moyenne à la fin de l'année d'un 13e mois écolo. Alors Alexandra Dublanche pour Valérie Pécresse, je vous ai vu beaucoup combien ça réagir. Coûte, madame. Mais on parlera de l'effet climatique après, si vous voulez. Je suis assez... Quoi, tout ça vous paraît irréaliste? Au Monopoly. Alors, je voudrais répondre sur plusieurs points. Déjà, sur la participation des salariés. Nous aussi, on propose aux salariés de détenir 10% de leur entreprise dans les sociétés cotées en bourse pour mieux associer justement les salariés. Donc, on se retrouve sur certains points aux résultats de leur entreprise. Une minorité de salariés, quand même. Faut déjà, en fait, moi, je veux bien annoncer des choses mirobolantes, mais si on les fait pas, voilà, c'est comme ça qu'on perd les gens en politique. Donc nous, on annonce des choses qu'on estime pouvoir faire. On a fonctionné comme ça, et je dirai un petit mot. Alors, je vous ai pas coupé, s'il vous plaît, et vous avez parlé très très longuement. Donc j'aimerais bien juste finir mon point. Aussi, étant de la participation à toutes les entreprises de plus de 10 salariés. Par ailleurs. Moi, je suis un peu pareil. Vous voyez, d'accord, on parle de changement de modèle et... Bien sûr, mais alors moi, je vais donner un exemple concret. Nous, on a récupéré une région dirigée pendant 17 ans par une majorité écolo-socialiste. Qu'est-ce qui se passait? On avait 95% de bus diesel quand on est arrivé. On était les derniers de la classe en agriculture bio. Depuis qu'on est arrivé, on a multiplié par 3 l'agriculture bio. On est en train de changer toute la flotte pour des véhicules propres. Donc, il y a des beaux discours et après, il y a des actions sur le terrain. Donc, moi, je veux bien qu'on soit jugé sur nos actions. Et l'action de Valérie Pécresse sur les transports, notamment, avec une politique où, pareil, on ne mettait pas de clim parce qu'attention, la clim, c'est mal. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils prennent leur voiture. Enfin, bref, c'est politique-là, j'ai pas de leçon à recevoir sur des personnes qui ont fait une politique comme ça du pouvoir d'achat. J'aimerais bien aussi finir mon point de la part du journaliste parce que je sais que je suis pas dans un milieu ami, mais je suis venue et j'ai envie de dire ce que j'ai à dire. Sur les caricatures, sur les fonctionnaires, comme quoi, oh là là, service public à la poubelle, on veut virer tous les fonctionnaires. Non. On dit quoi? On dit que l'État doit se recentrer sur ses missions essentielles, protéger, éduquer, soigner. Donc on peut réduire, excusez-moi... La question du gel du point d'indice des fonctionnaires. On parlait aussi, j'ai été attaquée, donc je préfère répondre, sur la baisse du nombre de fonctionnaires. 200 000 fonctionnaires... pour en recruter 50 000 dans les 3 missions que je viens de citer, protéger, éduquer, soigner, parce que, encore une fois, mais regardez ce qui se passe, ne soyez pas monocentrés, regardez ce qui se passe. En Allemagne, ils ont beaucoup moins de fonctionnaires et c'est tout aussi efficace, voire mieux. On ne peut pas se satisfaire d'un niveau d'éducation tel que nous l'avons. Enfin, le problème, c'est pas... Justement, et ces économies qu'on fait avec... tous ces doublons, l'administration administrante, on le remet là où il y a des besoins, dans la santé, dans l'éducation, etc. Pour vous, pourquoi... Donc je suis la seule qui n'a pas le droit de finir son point, en fait, dans cette émission. Voilà. Quant aux 35 heures, les 35 heures, pareil, à un moment, quand on est le seul pays à faire quelque chose... Il faut s'interroger, quoi. C'est pas qu'on a, voilà, la solution magique, c'est peut-être qu'on a pris la pire solution et que personne ne nous suit là-dessus. Ça a coûté entre 11 et 13 milliards d'euros entre 2006 et 2013. Et pareil, voilà. Donc, moi, je veux bien avoir des incantations, justement. On va donner un revenu tous les mois de X à tant de personnes. Avec de l'argent Monopoly, c'est notre argent, hein. Soit c'est le contribuable, soit c'est l'usager. Donc il y a un moment, faut payer. Donc argent, comment Monopoly, on fait? Aurélie Trouvé, argent Monopoly. Mais si vous voulez, on parle de financement, mais il n'y a pas de problème. Moi, je peux vous donner des réponses d'économistes. Voilà, tout ça. Je vous donne des réponses d'économistes. Déjà, on revient sur la suppression de l'ISF, de l'impôt sur la fortune, la plate tax. Combien ça rapporte? Ça fait plus de 5 milliards d'euros par an à nouveau pour les caisses de l'État. Et ça finance ensuite votre truc, une taxe sur les transactions financières qui soit. Bah, je vais vous faire, si vous voulez, je vous fais le compte. Hein. Rapidement. Je fais l'addition. Si ça peut aider les Républicains à penser une transformation du système, c'est bien. Ensuite, une taxe sur les transactions financières qui non seulement permettra de réduire les spéculations sur la finance, mais en plus permettra de ponctionner les revenus financiers qui sont de plus en plus importants. De là, faire fuir toutes les personnes. Donc là, vous pouvez... oui, bah, peut-être qu'il faudra aussi faire un peu de contrôle des capitaux, mais ça, je sais que c'est pas dans votre logiciel. Ensuite, une bataille réelle contre l'évasion fiscale qui passerait par exemple par une taxation unitaire sur les multinationales. Ensuite, un impôt sur le revenu qui soit beaucoup plus progressif. Donc, il n'y a aucune économie, c'est que des impôts. C'est pas la même chose. Et ça veut dire un truc. On n'est pas assez imposé dans ce pays. Ça veut dire un truc qui vous défrise à droite, ça c'est clair. Ça veut dire qu'on va taxer davantage les plus riches et les revenus financiers. Mais je vous rappelle quand même, rapport France Stratégique, je vous rappelle quand même que rien que la suppression de l'ISF et la flat tax, la mise en œuvre de la flat tax sous le quinquennat, ça a fait exploser les inégalités. Je vous rappelle le rapport d'Oxfam aussi qui vient de sortir, explosion de la richesse des ultra-riches, alors qu'à côté, le nombre de personnes qui ont accès, qui doivent faire appel à l'aide alimentaire a explosé, 8 millions de personnes. Donc oui, il faut y répondre. Et dernier élément pour répondre sur la question... en fait, au-delà du SMIC, c'est-à-dire comment on fait pour garantir un revenu à tout le monde. Donc, on garantit effectivement on propose une garantie d'autonomie de 1063 euros net. C'est-à-dire, c'est le taux de pauvreté pour tout le monde. Et ça coûte combien, ça? Pour tout le monde, y compris les jeunes. Il faut être très calme, sinon on va laisser Aurélie développer. C'est pas le cas. Ne mettez pas le chiffrage en là. Et cette mesure-là, je suis curieuse. Ça, par ailleurs, sur cette mesure-là, nous proposons en particulier pour le financer un truc qui, là aussi, vous défrisera peut-être, mais qui est le fait qu'on plafonne les héritages à 12 millions d'euros, ce qui permet de financer précisément la mesure justement sur le fait d'accorder à tous les jeunes, pour qu'ils puissent étudier dans des bonnes conditions, cette garantie d'autonomie à 1063 euros. Donc sur ce point, on peut dire que... Ça coûte 12 millions d'euros Non, je refais la logique si vous voulez. Non, je veux juste savoir le coût en fait. Je pose une question simple, mais je n'ai pas la réponse. Donc ok, et après je pose la question quand même. Excusez-moi, en économie, on fonctionne... Non mais ne me donnez pas des leçons d'économie parce que vous êtes prof. Bon, d'accord, mais on a tous fait des... Allez, je vais poser une question. Donc je vous propose pas donné entre parenthèses. On n'aura pas parlé de blocage des prix. Je vais vous poser. Il y a du flou par là. Je vous propose de poser une question. Sur cette question du revenu, justement, vous avez dit la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Je profite pour signaler que Yannick Jadot lui propose un revenu citoyen, c'est ça? Dès 18 ans, vous me dites si je me trompe, une somme d'environ 660 euros. Non. D'accord, ça a changé. 918 euros. Oh, ça a changé. C'est Noël. C'était en cours. Donc, non, mais l'idée, c'est... Voilà, vous êtes assez... déranchante quand même, parce qu'on a des financements là-dessus, notamment... Développer Marine Tondelier. C'est intéressant. Je rappelle juste que les 10% les plus riches polluent plus que 8 fois plus que les 10% les plus pauvres, et que depuis la crise du Covid, manifestement ça n'a pas été la crise pour tout le monde, les milliardaires français ont gagné 236 milliards de plus, l'équivalent de 3 500 euros par Français, bébé compris. Donc de l'argent, il y en a, n'est-ce pas? Il faut juste aller chercher au bon endroit, et chez les gens qui par ailleurs polluent le plus, donc c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi, et c'est bon pour la justice sociale. Sur la question du revenu citoyen, effectivement, donc c'est 918 euros, ça correspond au seuil de grande pauvreté, c'est-à-dire 50% du revenu médian. C'est comme ça qu'on a calculé ce chiffre, et on estime aujourd'hui en France que personne ne doit vivre en dessous du seuil de grande pauvreté. Donc peut-être que madame, ça ne vous parle pas, nous c'est notre combat dans la vie, et donc on trouve les moyens de le faire. Qu'est-ce qui distingue vos propositions ? Et surtout à partir de 18 ans, pour tout le monde, donc c'est pas que pour les jeunes, je pense contrairement à la mesure que présente ma collègue, c'est pour tout le monde, et donc après il y a les APL, etc., il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais c'est à partir du moment où le jeune à 18 ans sort du foyer fiscal de ses parents, mais comme vous savez que le quotient familial en France est bloqué à 1 500 euros, évidemment tout le monde aura intérêt à sortir de... Mais c'est sous condition de ressources, pour bien comprendre. Comment ? C'est sous condition de ressources ? Non, alors évidemment celui qui gagne plus, voilà, il y a pas, c'est pour ceux qui n'ont pas ces revenus. Et puis pour éviter les effets de seuil, quelqu'un qui tout d'un coup se met à travailler à des revenus, il n'est pas tout d'un coup évincé du dispositif. Il y a évidemment une dégressivité pour faire ça en douceur, et surtout parce qu'il y a aussi beaucoup de gens malheureusement en France qui entrent et qui sortent de ce genre de dispositif, beaucoup parce que les situations sont fluctuantes. Oui, mais on finance tout ça par plusieurs choses, les droits de succession, ma collègue en a parlé, je ne sais pas si on a exactement les mêmes dispositifs, mais évidemment que c'est des sujets auxquels on réfléchit tous, à gauche en tout cas. Et puis l'ISF climatique, excusez-moi, l'ISF c'est une passion française, selon le gouvernement il est venu repartir. Supprimé par Emmanuel Macron. Nous, bien sûr que nous le rétablirons, mais avec en plus une surcote climatique, parce qu'il faut qu'aujourd'hui les personnes qui consomment des produits dont ils n'ont pas besoin et qui polluent la planète, et donc qui mettent en cause, y compris, c'est pas juste on n'est pas content pour les oiseaux, c'est que ça remet en cause l'habitabilité même de la planète pour les enfants qui naissent aujourd'hui, qui auront 30 ans en 2050. Et donc aujourd'hui, ceux qui veulent prendre l'avion toute l'année, avoir des SUV, etc., il faut qu'ils payent plus cher. Et ceux qui veulent se nourrir mieux, avoir accès à des services essentiels et de qualité, il faut que ça leur coûte moins cher. Et donc c'est aussi le rôle de la fiscalité en France et du politique que de permettre cela, et de permettre une société dont la survie soit même possible pour les décennies qui viennent. Alexandra Dublanche, j'ai une question pour vous. On a parlé là de revenus citoyens, de revenus plus ou moins universels, mais en tout cas comme ça, de la proposition de donner une enveloppe, de donner quelque chose aux gens qui permet de partir dans la vie, de s'émanciper, notamment pour les plus précaires. C'est pas la proposition de Valérie Pécresse. Pourtant, à droite, certains quand même parlent par exemple, de revenu vital. Aurélien Pradier, qu'on avait reçu dans cette émission, député LR du Lot, il dit il faut un revenu vital à 700 euros pour les plus précaires. Pourquoi c'est pas possible d'envisager cette question d'un revenu universel ou en partie universel? Vous voyez bien d'ailleurs, Aurélie Trouvé et comme Marine Tondelier représentent des candidats qui d'ailleurs là dans les derniers mois sur ces sujets ont un peu évolué, qui proposent des choses plus amples que ce qu'ils proposaient avant sur ces sujets-là. Pourquoi c'est pas possible à droite? En fait là pour le coup c'est une question vraiment de valeur. Nous, notre valeur, c'est le travail. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron propose des propositions de ce type avec son, je ne sais plus comment il l'appelait, revenu... Oui, alors qui est extrêmement limité. Voilà, mais en tout cas, quelque chose qui tombe tous les mois sans aucune condition. Lui, il demande quelques heures de bénévolat, je crois. Nous, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on propose? D'ailleurs, on le fait déjà en région. C'est pas possible pour vous, ça? Ben, en fait, pour nous, c'est pas une façon d'aider le jeune à s'insérer dans l'emploi, une façon de long terme d'aider le jeune à s'insérer dans l'emploi. Je veux juste expliquer ce que nous on fait. Je peux finir, s'il vous plaît. Oh là là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on propose nous? On propose donc ce qu'on appelle le revenu jeune actif, qu'on a déjà mis en œuvre en région Île-de-France. C'est-à-dire que on va inciter le jeune qui s'inscrit dans une formation d'un emploi en tension par une prime. C'est-à-dire, si tu vas dans un des 7 métiers qui sont en tension, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande et qu'il y a plein d'emplois non pourvus, eh bien là, tu touches le revenu jeune actif, c'est 4 000 euros sur 6 mois, 670 euros par mois. Et donc, c'est comme ça. Nous, c'est comme ça qu'on pense aider le jeune sur le long terme. Et puis, à côté, il y a d'autres mesures. On est en train de créer... on a créé une banque régionale des jeunes, on fera au niveau national une banque nationale des jeunes pour permettre à ceux qui n'ont pas la famille, qui n'ont pas les moyens de financer leurs études, de financer leurs projets. Le prêt à taux zéro pour les primo-accédants. Donc on a des mesures comme ça pour les aider sur le long terme et de façon structurelle et pas avec un chèque qui tombe tous les mois comme ça, sans aucune... Voilà, j'ai bien compris. Alors, je dois vous avouer que sur ma gauche, de la part d'Aurélie Trouvé, j'ai entendu au secours quand vous parliez. Donc Aurélie Trouvé, pourquoi au secours ? Je dis ça quand je l'entends. Ça fait longtemps que tu n'as pas dit ça vous défrise. Ça fait longtemps que tu n'as pas dit ça vous défrise. Pourquoi au secours ? Pourquoi cette vision-là vous paraît particulièrement problématique ? Simplement, je rappelle quand même que pour un emploi disponible, il y a 13 demandeurs d'emploi. Grosso modo, si vous prenez les chiffres de l'INSEE, cette idée qu'il faudrait, grosso modo, c'est ce que dit Emmanuel Macron. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Allez voir une entreprise, vous qui êtes prof d'économie, il faut peut-être aller dans le monde de l'entreprise. On va laisser Aurélie Trouvé continuer. En tout cas, je ne vous ai pas coupé pendant que je parlais. Je ne vous ai pas coupé, donc je vous remercie de me laisser finir. Donc, si vous voulez, il ne s'agit pas que de traverser la route comme le pense la droite, que ce soit celle d'Emmanuel Macron ou de Valérie Pécresse. On n'aurait jamais ce mépris. Je peux finir ? On n'aurait jamais ce mépris. Donc ça revient à peu près à ce que vous dites, c'est-à-dire on va les pousser à trouver un emploi. Donc en fait, le problème, c'est le nombre d'emplois disponibles par rapport au nombre de demandeurs d'emploi. Je rappelle qu'il y a 6 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi. Je rappelle aussi qu'il y a une loi d'assurance chômage qui diminue drastiquement les droits des chômeurs et qui les met encore plus dans la précarité. Vous voulez tous les deux la supprimer ? Donc l'enjeu avec Jean-Luc Mélenchon et le programme de l'avenir en commun, c'est d'abord la garantie d'emploi. Voilà. Et je voulais revenir, moi, après, sur deux propositions que nous faisons pour ceux qui n'ont malheureusement pas un emploi, même si nous pensons que chacun devrait pouvoir avoir un emploi digne et que donc il faut faire en sorte que nous arrivions très vite à cette possibilité de garantie d'emploi. D'abord, c'est effectivement un revenu, une garantie d'autonomie que nous proposons à 1 063 €, c'est-à-dire le seuil de pauvreté, pour tout le monde, y compris les jeunes. Et quand on dit y compris pour tous ceux qui aujourd'hui touchent des minima sociaux, donc c'est pas seulement le revenu social d'activité, c'est aussi l'allocation adulte handicapé, etc. Tout le monde doit pouvoir toucher. Donc c'est un revenu universel. C'est 1 063 €. On est sur un revenu universel. Ben, nous on appelle ça une garantie d'autonomie dans le sens où c'est simplement que tous les minima doivent être à ce niveau-là, donc tout le monde doit pouvoir toucher ces 1 063. Donc c'est le socle minimal pour les 65 millions de Français. Le socle minimal tout de suite, 1 063 €, ça c'est la base. Et ensuite, effectivement, vous parlez de blocage des prix, qui pour nous est une mesure d'urgence, et là je vais reprendre quelque part les leçons des Gilets jaunes, c'est-à-dire que les Gilets jaunes se sont soulevés sur l'augmentation, ou en tout cas une volonté d'augmenter les taxes sur les carburants. Pourquoi ? Parce que c'est une mesure proprement injuste, dans le sens où, en fait, augmenter les taxes ou les prix, si vous voulez, des carburants, ceux qui en pâtissent le plus, d'abord, ce sont les plus pauvres, parce que c'est eux qui ont le plus de dépenses de carburant dans leurs revenus. Donc il ne faut pas passer par ça, il faut passer avant tout... donc il faut bloquer pour nous les prix tout de suite de l'énergie, de tous les produits de première nécessité, y compris les produits alimentaires, tout en permettant quand même aux agriculteurs d'avoir des prix rémunérateurs. Hein, je le dis bien, il ne s'agit pas de mettre la tête sous l'eau aux producteurs, aux petits producteurs. Okay. Voilà. Et pour finir, et je reviens sur cette idée de blocage des prix, par ailleurs, il y a cette nécessité globalement de faire diminuer la consommation énergétique des Françaises et Français, tout en permettant à ceux qui ne peuvent pas se chauffer correctement de chauffer correctement. Donc nous, on dit qu'il faut que toutes les premières quantités d'énergie nécessaires pour avoir une vie digne soient gratuites. Par contre, à côté de ça, il faut développer massivement les transports en commun. Je rappelle quand même que la région, le Conseil régional d'Île-de-France a décidé au contraire de diminuer ses transports en commun en pleine crise sanitaire. Je vous ai pas coupé. Deuxièmement, de relocaliser les services, les commerces, les emplois. Voilà, ça c'est une mesure également de bon sens qui permettra aussi de s'attaquer à cette grande question de la consommation d'énergie et évidemment de s'attaquer aux passoires thermiques, notamment en obligeant, moi j'aimerais bien savoir si c'est une proposition de la droite, je ne pense pas, mais en obligeant notamment tous les bailleurs, tous ceux qui louent des logements, à s'attaquer à ça, on n'a pas le droit de louer un appartement sans avoir fait de la rénovation thermique de logement. Marine Tondelier, peut-être vous voulez réagir là-dessus, mais moi j'ai une question spécifique. Yannick Jadot veut relancer le grand chantier de la réduction du temps de travail avec une convention citoyenne. Il y a plusieurs candidats à gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon dit tendre vers les 32 heures et les mettre en place dans les métiers pénibles. Yannick Jadot va pas aussi loin, c'était un peu ce que proposait Sandrine Rousseau dans la primaire écologiste, ce que propose aussi le candidat du PCF, Fabien Roussel. Yannick Jadot dit plutôt à ce stade lancer un chantier, une convention citoyenne autour du sujet. Pourquoi aujourd'hui, comment vous expliquez aux gens, par exemple Franck qu'on a vu là tout à l'heure dans la vidéo, que c'est important de réduire le temps de travail, sachant que Alexandra Dublanche vous dit, en fait, c'est absolument pas ce qu'il faut faire en ce moment. Au contraire, il faut revenir finalement à ce que faisait Sarko, c'est-à-dire permettre aux gens de travailler plus pour gagner plus dans la situation présente. Comment vous expliquez aux gens que c'est important de tendre vers cette réduction du temps de travail? Ça paraît aujourd'hui une idée qu'on a un peu oubliée. Mmh. Quand on parlait tout à l'heure du pouvoir de vivre plus que du pouvoir d'achat, c'est aussi la question de l'équilibre entre le temps de travail et le temps autre, qui n'est pas forcément que du temps de loisir. Faut se dire qu'aujourd'hui, toutes les associations qui existent, les milieux politiques aussi en grande partie, qui est bénévole en plus du travail, marchent parce qu'on a la chance en France, oui, de ne pas travailler 45 heures par semaine. Et même si on le faisait, on aurait plus de temps. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un débat national qui, là, pour le coup, intéresse les Français parce que ça parle de leur quotidien concret et de combien de temps il faut travailler. Alors peut-être que 32 heures pour tout le monde directement à l'été 2022, c'est sûrement pas possible, notamment je pense aux tensions actuelles dans les hôpitaux, si tout d'un coup on disait tout le monde dans l'hôpital travaille 32 heures, évidemment ça marche plus, mais il faut un vrai débat national qui pose concrètement le sujet, par branche, par type d'activité, de c'est quoi le temps juste du travail et de qu'est-ce qu'on fait du temps de non-travail, parce qu'il faut aider les gens à s'engager, et je pense y compris les jeunes, quand vous disiez mais on ne va pas leur inculquer le travail parce qu'ils vont avoir de l'argent qui tombe tous les mois, mais les jeunes qui vont s'engager dans les associations environnementales, sociales, etc., c'est hyper important, et l'État d'ailleurs sur plein de sujets se défausse complètement sur les assos, sur l'aide humanitaire à Calais, sur les gens qui font du caritatif auprès des plus précaires en France, sur les gens qui font de l'aide aux devoirs, sur les femmes qui doivent compter elles-mêmes le nombre de féminicides quand même en France parce que les autorités ne le font pas. Donc heureusement en fait qu'on fait autre chose que du travail dans la vie, et c'est pas parce que ce n'est pas du travail salarié ou financé que ça n'est pas utile à la société. Par ailleurs, on a très peu parlé des fonctionnaires, donc, et on a parlé du point d'indice, donc il y a 1,20% d'augmentation du point d'indice entre 2010 et 2020, pendant que l'inflation a augmenté de 11%. Mmh. Là, niveau pouvoir d'achat et pouvoir de vivre, ils ont été servis. Et donc, du côté des fonctionnaires, il faut dégeler ce point d'indice, mais il faut aussi revaloriser certaines professions de première ligne, en fait, de première nécessité, les professeurs, les soignants, etc. Aujourd'hui, les professeurs en France sont payés en dessous de la moyenne de l'OCDE. Vous qui êtes toujours avec des moyennes européennes, ça, c'est important. Et par exemple, il faut faire en sorte que tous les profs soient payés au moins la moyenne de l'OCDE, et ça veut dire pour certains des augmentations de plus de 20% de leur traitement de prof. Ça me paraîtrait très juste. Alexandra Dublanche, cette idée de revaloriser de façon massive certains secteurs, pas d'ailleurs juste uniquement dans la fonction publique, mais on les a vus, hein, pendant la pandémie aussi, on a beaucoup parlé des gens qui étaient en première ligne, etc. On n'en parle plus aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est envisageable? Toute la logique de la suppression des 200 000 postes pour en réembaucher 50 000 dans des missions qui nous semblent essentielles de l'État. À quel salaire on les embauche pour en embaucher 50 000, c'est ça que j'ai pas compris. Oui. Et quand vous dites doublons, j'ai pas compris, c'est qui les doublons? Les doublons, c'est très simple, c'est quand une région va avoir un service pour financer des pistes cyclables et qu'il y a la même personne à l'État, il y a la même personne au département, et donc au lieu de créer un poste de fonctionnaire partout, si, mais pourquoi l'État ne donne pas l'argent à la région pour financer plus de pistes cyclables au lieu d'avoir un poste de fonctionnaire en plus côté État? C'est tout simple, et on en voit tous les jours des situations comme ça. Pendant la crise, il y avait des dispositifs en doublons qui perdaient les entreprises, qui perdaient tout le monde, au lieu de décentraliser, donner des missions claires à chacun et supprimer ces doublons. Franchement, on peut vraiment y arriver. 200 000, c'est 1, je sais pas combien de pourcents des fonctionnaires. C'est rien du tout. Et donc tout ça pour destruction nette de postes dans la fonction publique, c'est ça quand même que propose Valérie Pécresse. Vous en supprimez 200 000, mais vous en créez que 50 000. Voilà. Mais bien sûr, on en crée 50 000 dans les missions essentielles: justice, protéger, éduquer, soigner. Voilà, là où il y a les besoins, et on supprime les doublons. Il y aura moins évidemment de fonctionnaires, c'est une destruction nette. On est sur une décentralisation et la suppression des doublons. Ma question, c'était à quel prix? Dire qu'il n'y a pas de doublons aujourd'hui. Ma question, c'était à quel prix vous les payez? C'est-à-dire que est-ce que vous considérez qu'il faut quand même augmenter un petit peu? Ces économies peuvent permettre ensuite de revaloriser là où on est bien en deçà des normes, etc. Donc la logique, c'est vraiment d'être plus efficace. Et donc, encore une fois, quand il y a 3 postes pour la même chose, en supprimer un et on récupère cet argent pour le réinvestir là où il y a des besoins. Et en fait, c'est là où je pense que ce qu'on propose est beaucoup plus crédible, parce que j'ai entendu plein de fois le mot gratuit. Gratuit, ça n'existe pas. C'est l'usager ou le contribuable. Gratuit, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui paye. L'argent gratuit, ça n'existe pas. Et je l'ai entendu 10 fois dans le débat de ce côté-là. Bah heureusement. Et donc, mais oui, mais gratuit, mais gratuit, non, c'est pas. Il y a quelqu'un qui paye. Alors, oui, mais alors gratuit. Et vous voulez que l'hôpital soit gratuit ? Mais vous dites le revenu, il est gratuit. Vous n'êtes pas pour l'éducation gratuite ? Mais bien sûr que si. Bah alors, on vous dit gratuit. On finance des services publics, mais là vous parlez de le je sais pas quoi qui était gratuit. C'est une attaque gratuite. Oui, oui, les premières. Voilà, c'est une attaque gratuite. Allez, on va conclure. S'il vous plaît, toujours pas entendu les mesures. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup. Je crois Aurélie. Oui, je veux bien les chiffres. J'ai toujours pas eu. Hop là comme ça pour éviter la question. Ça se passe bien. On va conclure. Si vous voulez bien. Merci. On va conclure cette émission. On ne vous mettra pas d'accord. Je crois qu'on a vu des lignes de clivage. C'est net. Merci beaucoup. On vous restez avec nous pour le 24 heures. Allez, rapidement, si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, séance de rattrapage. D'abord, le premier épisode d'une nouvelle série sur Mediapart, ça s'appelle Chronique de la haine ordinaire, qui veut raconter ce que le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme font à ce pays. Premier volet, Loussira s'est rendu en Haute-Loire. C'est un village qui s'appelle Saint-Geur. Yacine, un jeune chef d'entreprise, a décidé de s'y installer en famille. La rumeur s'est déchaînée et l'incendie et le chantier de sa maison a été incendié. Un récit assez glaçant de Loussira. Fabrice Arfi, Antione Rouget et Marine Turchi poursuivent leur travail sur l'enquête interdite. Elle concerne les prestations de sécurité de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Cette fois, nous publions la preuve qu'un préfet a bien décidé d'enterrer l'affaire. Enfin, dans la poursuite de notre débat du jour, je vous recommande la lecture de cet article de Romaric Godin. L'inflation revient et avec elle la peur d'une hausse trop importante des salaires qui nourrirait à son tour une inflation galopante. C'est loin d'être aussi simple et même assez faux, nous dit Romaric. Voilà, à l'air libre, c'est fini. Merci encore de votre vivacité sur ce plateau. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous. Bonne soirée.